Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Notre sujet aujourd'hui est le meilleur complément alimentaire naturel pour le corps. Le corps humain a besoin de nombreux nutriments nécessaires que le corps ne peut pas fabriquer et ne peut pas être obtenu à partir de tous les types d'aliments, c'est pourquoi des suppléments nutritionnels naturels ou artificiels ont été développés pour garantir qu'il n'y a pas de pénurie de ces éléments ou pour compenser la carence en eux. L'article passe en revue les types les plus importants de suppléments nutritionnels naturels, et ce qui détermine le meilleur supplément nutritionnel naturel en dépend. Il n'est pas possible de déterminer le meilleur complément alimentaire naturel pour tout le monde. Lorsqu'il y a une carence en l'un des nutriments dans l'organisme, l'élément dans lequel la carence se produit est le meilleur complément alimentaire naturel. Cependant, certains groupes sont sujets à des carences en nutriments qui ne sont pas disponibles dans les aliments courants, ce qui rend leur besoin de suppléments nutritionnels naturels plus important que le reste des groupes, notamment les femmes pendant la grossesse, les femmes pendant l'allaitement, les personnes qui suivent un régime végétarien strict, les personnes allergiques à certains types d'aliments, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies, telles que le cancer, les maladies rénales ou les maladies osseuses. Le meilleur complément alimentaire naturel. Parmi les meilleurs compléments nutritionnels naturels pouvant être obtenus sous forme de comprimés ou à partir de leurs sources naturelles. L'huile de poisson, qui est le meilleur complément alimentaire naturel pour la santé cardiaque et réduit le risque de maladies cardiaques, est disponible sous forme de comprimés et elle peut également être obtenue à partir de poissons gras, de soja et de noix. Vitamine D et calcium, où la vitamine D est considérée comme le meilleur complément alimentaire naturel pour maintenir la santé des os, et est disponible sous forme de comprimés ou en mangeant des aliments enrichis, et les grains entiers, le saumon et le thon en sont de riches sources, en outre l'importance de l'exposition au soleil pour la fabriquer naturellement. Glucosamine et chondroïtine, qui sont le meilleur complément naturel pour maintenir la santé des articulations, en particulier chez les personnes souffrant d'arthrite. Les vitamines du groupe B, car elles sont considérées comme le meilleur complément naturel chez les personnes âgées, car la capacité du corps à les absorber diminue avec l'âge, et leurs sources naturelles sont les céréales, les légumes verts foncés, le jus d'orange et les aliments enrichis en vitamines. Sources de différents types de compléments alimentaires naturels. Les types de compléments nutritionnels naturels peuvent être divisés en fonction de leurs sources naturelles. Chaque type d'aliment se caractérise par le fait qu'il contient un ou plusieurs compléments nutritionnels naturels qui le distinguent, à savoir les légumes et les fruits, riches en fibres, vitamines et minéraux, sont importants pour maintenir un corps sain et réduire le risque de maladies cardiaques. Le poisson, riche en huile de poisson et en oméga-3, est important pour maintenir un corps sain et prévenir les maladies cardiaques et les crises cardiaques. Les légumineuses, qui sont des aliments riches en fibres naturelles, vitamines, minéraux et antioxydants. Noix et graines, qui sont riches en antioxydants, minéraux et graisses bénéfiques. Grains entiers, riches en fibres naturelles, en minéraux et en vitamines du groupe B. Malgré la multiplicité des types de suppléments nutritionnels naturels et la multiplicité de leurs sources, certaines sources naturelles contiennent certains suppléments ou vitamines dans des proportions plus élevées que d'autres, et donc un certain supplément nutritionnel naturel peut en être extrait pour en obtenir des concentrations élevées, et pour compenser sa carence dans l'organisme en peu de temps en cas de pénurie. Comment faire un complément alimentaire naturel à la maison ? Il est difficile de fabriquer à la maison un complément nutritionnel pour l'un des nutriments seuls, en raison de la difficulté à l'extraire de ses sources naturelles. Cependant, manger des aliments différents en quantité modérée et diversifiée peut dispenser la personne de la nécessité d'obtenir des compléments alimentaires. Les aliments qu'il faut consommer en abondance pour se dispenser de se faire un complément nutritionnel à domicile dépendent aussi de l'état de la maladie. Par exemple, les patients atteints d'ostéoporose doivent manger plus d'aliments riches en vitamine D et en calcium, pour réduire le besoin de compléments nutritionnels disponibles sur tablette formulaire. La différence entre les compléments alimentaires naturels et synthétiques. La formule des suppléments nutritionnels naturels n'est pas différente de celle des suppléments synthétiques, mais la méthode d'obtention de cette formule pour les suppléments varie. Alors que, dans les compléments industriels, la formule chimique du complément nutritionnel est déterminée et fabriquée en laboratoire alors que peu de sources sont disponibles pour le fabriquer, tandis que les compléments nutritionnels naturels sont extraits directement de leurs sources naturelles. Bien que la composition soit similaire entre les suppléments nutritionnels naturels et artificiels, la façon dont le corps interagit avec chacun d'eux peut différer, car parfois le taux d'absorption des suppléments nutritionnels naturels est supérieur au taux d'absorption des suppléments industriels de composition similaire. En outre, l'obtention de types de suppléments nutritionnels naturels à partir de leurs sources les rend sous la forme d'un mélange de nutriments et d'enzymes qui améliorent la capacité du corps à en tirer davantage parti. Conclusion. Il n'est pas possible de confirmer la capacité d'un complément alimentaire à guérir ou à traiter un problème de santé particulier, la quantité d'ingrédients actifs dans un complément alimentaire peut varier considérablement.
Le marché mondial des suppléments nutritionnels devrait atteindre 278,02 milliards de dollars d'ici 2024. La Health Care Authority a confirmé qu'il est possible pour le corps d'obtenir tout ce dont il a besoin grâce à une alimentation équilibrée sans avoir besoin de suppléments nutritionnels de vitamines, à l'exception de la vitamine D. La Food and Drug Administration des États-Unis met en garde contre les suppléments nutritionnels qui prétendent guérir toutes les maladies ou traiter une maladie spécifique. Ces suppléments peuvent avoir été contaminés par des pesticides, des minéraux ou des excréments et des insectes, et peuvent contenir des herbes complètement différentes de celles indiquées sur l'étiquette. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveautés et un j'aime ne fera pas du mal et à la prochaine.